pouvoir va être donné par M. Jean-Yves Le Drian, donc ministre de la Défense et supporter bien évidemment du Grand Prix, donc Ouest France Saint-Cloud. On salue également Laurent Métral, donc de CIC Bretagne, François-Xavier Lefranc, Ouest France, et M. Zali. Elle fait attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allons les applaudis, c'est parti! Et d'un couple de 13 km, voilà, le départ vient d'être donné donc par monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, venez saluer. Moi j'ai tous les droits, avec évidemment une pointe d'affection non dissimulée pour l'équipe Rodin Séché. Aujourd'hui, avec, on a retrouvé Gérard Cormelon, donc Christophe Delacroix, également Romain Cruffaz. Ah oui. Voilà. C'est pas chaud. Hein. Non mais. On va voir alors. C'est difficile. Hein? Pas encore. Si, il commence à jeter, regarde bien en bas là-bas. Mince alors. Gino! Voilà la fesse. Allez Cyril, allez 72.
Et Cyril, il est là, je voyais là-bas, moi. Il est là. Le direct donc sur France Télévisions avec Thierry Adam qui retrouve Laurent Jalabert, les deux hommes qui ont comme à l'habitude passé donc leur mois de juillet ensemble sur les routes du Tour de France. Voilà 3,40 que les hommes de tête sont passés devant nous. L'écart maximum enregistré est, on le rappelle, de 7 minutes. Et là, il va y avoir un petit peu plus de 4 minutes pour le peloton. Dernier écart, 4 minutes et 10 secondes. Allez, on peut les encourager là, 13 km de l'arrivée du bassin côté de l'équipe.